Bienvenue sur les vidéos techniques de Katanga. Lors de la commande de votre WOW, votre taille sera demandée. Le vélo mobile sera alors préajusté avant sa livraison. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer comment affiner avec précision le réglage du vélo mobile à votre morphologie. Voici les différentes parties sur lesquelles nous pouvons intervenir. Le pédalier, il coulisse d'avant en arrière. Et le siège, celui-ci s'avance ou se recule, se monte ou se baisse et s'incline. Commencez par le siège et cherchez la position qui vous semble la plus confortable. Pour reculer ou avancer le siège, retirez les 4 vis des pattes en aluminium, puis décalez-les dans les trous qui conviennent. Pour régler la hauteur de l'assise, faites de même avec les 2 vis de chaque côté du siège. Le dossier du siège repose sur un support. Ajustez-le en fonction de l'inclinaison souhaitée. Commencez par débloquer toutes les vis avant de l'ajuster. Une fois le siège réglé, desserrez les 4 vis des 2 brides du pédalier. Assurez-vous que celui-ci est libre de coulisser. La longueur optimale s'obtient lorsque, sur la pédale la plus éloignée, votre pied doit faire un angle droit avec votre jambe. Serrez les brides du pédalier et remontez le nez du vélo mobile. Pour savoir si la longueur de la chaîne est bonne, mettez-la sur le grand plateau à l'avant et le petit pignon à l'arrière. Les 2 galets du dérailleur arrière doivent être à la verticale. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous devrez intervenir sur la longueur de chaîne. Pour cela, reportez-vous à la vidéo démontage et entretien de la chaîne du WOW. Quand la position parfaite sera trouvée, faites un repère au feutre sur la poutre du vélo mobile. Cela vous sera très utile lors d'une prochaine intervention sur la mécanique. Par la suite et au fil des kilomètres, vous serez peut-être amené à ajuster le réglage de quelques millimètres. De façon plus générale, lorsque vous ressentez une douleur au mollet ou aux chevilles, le pédalier est sans doute trop éloigné. En revanche, si vous sentez une douleur aux fesses ou aux quadriceps, le pédalier est sans doute trop proche.